Je demande au cours de délivrance de s'occuper d'elle. Amenez-la à la délivrance. Délivrance. Voilà, amenez-la à la délivrance. Je vais attaquer le cas, elle, la jeune fille, a son problème est très sérieux. Même vous, Agoué, on est où il y a. Bien, bien. Comment tu t'appelles? Le cas là, voilà. Adjei Marina Dominique. Je n'ai pas bien saisi. Adjei Marina. Sa mère est là? On a connu. Même moi, on a connu. Hein? Elle tient son bébé. Tu es arrivé ici par rapport à quoi? Vous voulez les deux voilà. On peut continuer en français. On peut faire français pour terminer. Hein? Tu as le choix. Tu as le français. On peut commencer pour terminer. Chacun niveau. Tu vas regarder jusqu'à où? Sixième. C'est cette année elle arrive en sixième. La fréquence du camp, la PCP. Hein? La fait sixième. Qui t'a déjà bébé? Hein? Je suis là par rapport à quoi ici, dans ce centre? Ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Je veux que tu expliques ça un peu bien. Je suis sorcier. Tu as entendu? Moi, je n'ai pas entendu. Hein? Je suis sorcier. Tu es sorcière. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcière? Je n'ai pas là dans que vous. Qu'est-ce qui te fait dire? Comme tu dis que tu es venu ici, parce que tu es sorcière, toi, qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcière? Je n'ai pas là dans que vous. Là. Un drap à quoi? Hein? Un drap à quoi? T'as tué des gens. C'est tout. Qui est tapé la vie? Un tas quoi? Ouais, il a tout boué où, hein? Tu sais, si on explique très bien. Ici, là, il faut bien expliquer. Tu es venu ici parce que tu es sorcière. Pourquoi on te délivre de la sorcellerie? C'est ça? Qui t'a donné la sorcellerie? Alors, il y a un goût là. Hein? Il y a un goût là. On peut connaître son nom? Et ça là, là. Je m'assois un peu. Elle s'appelle Sirki Ou. Voilà, Sirki Ou. Hein? Sirki Ou. Comment t'as donné la sorcellerie? Et ça, il y a les mots là. C'est le mari de ma tante. Moi, il était pour manger. Et ma sœur. Puis de manger la même poisson dedans. C'est pas ça que vous entendez. Nous, beaucoup d'un, les mêmes d'un, doucement et plus posément. On a amené blé, c'est à canne. C'est le mari de ma tante. Le mari de ma tante. De ta tante. Nous, on s'en fout d'un. Avec quoi? Cherchez manger. Les mêmes des avocats. Attendez, avec quoi? Je suis allé chercher la nourriture. Oui, c'est ma tante qui m'a servi. Tu allais chercher la nourriture. Ah, on faisait les funérailles, oui. Du mari de ta tante, hein? Et puis ma tante m'a servi. Elle t'a servi à manger. On tu n'aimes rien, on dit ça. Oui. Nous goza. Non, n'aimes rien, nous goza. C'est un foutu à un sort grain. Eh bien, tu viens là. C'est un bon repas, un foutu à un sort grain. N'a vous nous. Les grains. Lundi. Ça, c'est la nourriture des bêtises. Pour toutes sauces graines. Tu vois. Et puis l'année est venue me chercher. Non. Laisse-moi faire le procès, Henri. Même si tu connais. Tu dis, tu as mangé poutou et sauce. Et qu'est-ce qui était dans la sauce? C'est poisson. Poisson. Elle a transformé les chefs. Comment tu as su que c'est la transformée? C'est quand il a mangé, puis l'année est venue me chercher. Quand tu as mangé le poisson? Puis la nuit est venue me chercher. Elle avait pu chercher la nuit. Ça s'est passé comment? Puis la nuit, elle m'a dit, ne débrouille bien, Boka.
Oui, mais tu en as compris. Comment? Elle vient te chercher comment? On s'est dans un hein? On est où? À Kéji, où là, Abli? Non, toi, tu étais où elle vient te chercher? À la maison. Il dormait. Dites à ceux qui sont dans le salon, là, de parler moins. Même si j'en ai des problèmes. Oui? À la maison. Oui. C'est le bien qu'on a. Il dormait. Nous, on a d'un. C'était la nuit. Débé. Elle est venue me chercher. Le lit d'un boca. Comment? Les autres, ils doivent là. Elle s'est transformée en une. Oui, puis qu'est-ce qu'elle a fait? Ok, dis d'un. Qu'elle est venue me chercher. Le lit d'un boca. Elle dit c'est la viande que tu as mangée après ceci. Oh le mien, il y a ton molin vieux. Mais balayé vieux pour quand? Par où? Quel est ta prix pour? Par le mien. Hein? Doudou, doit même appeler. Là, il y a un bouquin. Comme ça, tu dois mettre la tâche de l'œil, toi. Elle m'a réveillé. C'est des détails que j'aime bien ces détails. Elle t'a réveillé. Elle m'a dit de me lever parti. Là, il y a un truc aussi. Tu l'as reconnu quand tu l'as vu. Tu l'as reconnu. Oui. Il y a deux mots, il met les dames. Et pourquoi tu n'as pas dit non? Il peut venir de la dame, là. Elle dit, il y a un bruit, ça. Oh, là, il y a un bruit, il y a. Alors, vous allez faire réunion. Mais c'est comme ça. J'ai dit aux gens là, c'est pas Kelsey, ma chère soeur, hein, veut le sorcellerie. Alors, moi, après. Tu as donc mangé pour l'autre, tu t'as mangé, il va manger pour toi. Il est même l'année. C'est comme ça l'initiation. Si, Léo. Donc, on te donne la viande. On te convoque. Voilà bien. On te fait asseoir. Et puis, on t'initie. C'est facile. C'est pour ça que c'est d'une manière consciente qui pratique la sorcellerie. Il y a l'état de la sorcellerie inconsciente. Quand on commence à voir la sorcellerie inconsciente, dans le rêve, on a l'impression qu'on mange des personnes inconnues. On commence à manger avec des personnes inconnues dans le rêve. Il faut commencer à chercher ta délivrance. Tu veux commencer à préparer ton esprit à la sorcellerie. Maintenant, physiquement, ici, là, dans ce monde visible, là, ils vont prendre un aliment, des capes de poisson, mais ils vont transformer forcément ça en chair. Pour créer la connexion. Dès que tu manges la viande là, la nuit forcément vont t'appeler. Ton âme sort de ton corps, c'est déconnecté, ça quitte ton corps. Et ça va se retrouver quelque part dans leur monde. Ils vont te faire asseoir quelque part, sur un siège. Et comment te poser des questions? Et c'est là l'initiation. Et tu es obligé de prêter, signer les pactes. C'est là tout commence, démarre. Comment t'as donné? Ça démarre. On te donne de l'eau, du sang. On te fait donner la chair à manger. Et quand tu bois du sang, et quand tu manges la chair, directement, tu es obligé. C'est une obligation. D'envoyer quelqu'un pour avoir droit à la parole. Tant que tu n'as pas envoyé une âme, tu n'as même pas droit à une parole. Non, un sorcier dit qu'il ne tue pas, n'a pas tué mort. Si vous voyez quelqu'un qui dit les sorciers n'ont jamais tué mort, c'est mort. Parce que la définition de la sorcellerie veut dire déjà que c'est quelqu'un qui est mauvais. Quand quelqu'un dit les sorciers, pour lui est positif, il ment. La sorcellerie est toujours négative. Voilà ma bonne. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Donc, dès que tu commences à manger, quand tu es sorcier, c'est qui t'a déjà tué. Arrive à ce stade-là, c'est que tu as tué. Et c'est de manière consciente qu'on tue. C'est pour ça qu'ils ont droit à un procès. Il faut parler avec eux, les amener à faire des aveux pour les délivrer. C'est pour ça que je n'aime pas permettre aux sorciers d'être sous l'esprit pour parler. Ils sont lucides. Tu fais le procès. C'est la seule technique, la méthode pour délivrer un sorcier. Tant qu'il ne passera pas par un procès, les aveux, il sera difficile pour lui de se défaire de la sorcellerie. Parce que plus ils parlent, ils brisent le pacte. Quand ils sont dedans, on ne doit plus dire ce qu'ils font là-bas. Le jour où commence à dire ça publiquement, ils brisent le pacte. Parce qu'on te dit de ne pas dire. Et puis ça aide même le sorcier. Parce que quand tu fais des aveux publics, demain, quand ton maître va vouloir retourner à la sorcellerie,